qu'est-ce qui nous paraissait le plus marquant du moment dans lequel nous sommes. J'ai évoqué plusieurs de grandes questions avant de venir à ce point. Ce point est le suivant. C'est l'ampleur des vagues dans de nombreuses professions, des vagues de suicides. Parce qu'il m'est revenu à l'esprit une remarque que m'avait fait un ami libanais au moment où la révolution citoyenne a commencé à Beyrouth. Et on avait échangé sur comment ça se passait, comment c'était arrivé. Je suis curieux de ces choses parce que je les accumule comme du savoir. Nos sociétés se ressemblent beaucoup malgré leurs différences et je veux être capable de comprendre comment les choses s'organisent quand elles se mettent en mouvement de cette façon. Et cet ami qui a de l'expérience m'a dit, tu sais, moi ce que j'ai vu avant qu'on en vienne aux grands mouvements sociaux du pays, c'est qu'il y avait des vagues de suicides qui est une forme de résistance individuelle. Bien sûr, le suicide est multicausal et on ne va pas le réduire à un aspect. Se suicider n'est pas, par la force des choses, le résultat d'une seule raison, et je ne m'hasarderai pas sur ce terrain. Mais néanmoins, je l'observe. Il faut que la vie parvienne à un certain degré d'absurdité et d'horizon bouché pour qu'on en vienne à préférer ne plus être là, à s'y trouver. Et voyez-vous, c'est profession après profession. La plupart d'entre vous se rappellent de l'époque, et il y a d'ailleurs eu des condamnations, où le management, dans une grande, le management, la manière de mener les gens au travail, dans une très grande entreprise du pays, avait conduit à une vague de suicides. Et ceux qui ont été tenus pour responsables ont été punis par la loi et par les tribunaux. Écoutez, dans notre pays, ils se suicident en moyenne un paysan par jour. Depuis le début de l'année, 10 policiers se sont suicidés. Dans l'éducation nationale, c'est un par semaine. Ou une, hein. Comme je dis, ça peut être une. C'est dire que quelque chose se passe qui manifeste la forme la plus aiguë, l'impasse dans laquelle nous nous trouvons. Dès lors, faire cesser la peur au travail. Je ne dis pas seulement la peur de l'accident, 565 par an, mais la peur tout simplement d'une tâche dont on ne voit plus le sens, d'une situation dont on ne voit plus où elle peut nous mener, est une priorité. Autrement dit, le droit au bonheur, le goût du futur sont des aspirations auxquelles il faut répondre politiquement par des moyens qui limitent, qui abrogent la souffrance, mais aussi par autre chose, qui s'appelle l'élan de l'enthousiasme, qui consiste à tracer une ligne sur l'avenir pour proposer qu'on se dirige tous vers elle. J'ai dit tout à l'heure, si l'Union populaire devient le gouvernement de ce pays, alors il faudra changer toute l'agriculture pour qu'on cesse d'en faire ce qu'elle est devenue, un enfer pour ceux qui la pratiquent et quelque chose de nauséabond pour ceux qui ensuite ont affaire à ces produits. Avec la meilleure paye et des conditions plus décentes, l'enthousiasme qu'on retrouve de l'amour de ce métier qui est si particulier, qui est de transmettre le savoir et de se dire, en voyant chaque jeune tête, de rêver à la femme, à l'homme, qu'il sera ensuite adulte, par la vertu des enseignements qu'on lui aura prodigués, des savoirs qu'on lui aura transmis, quand on le verra ensuite participer au bien-être général du pays. C'est par milliers que j'appelle à lever la jeune génération qui viendra dans les enseignements professionnels fournir la main de tous ceux dont nous avons besoin pour que ce pays fasse face à la grande mutation à laquelle nous l'appelons, notamment pour produire autrement une énergie qui ne soit plus le danger qu'est le nucléaire. Une énergie que l'on installera en mer avec des éoliennes offshore, une énergie que l'on installera dans les rivières grâce aux hydroliennes qu'on mettra de tous côtés, une énergie que l'on tirera de la chaleur du sol. Bref, toutes ces tâches qui nécessitent que des milliers de personnes soient formées au plus haut niveau possible de leur technique
pour pouvoir y faire face et pouvoir tourner la page. Si vous demandez aux Français de faire un effort par rapport à l'horizon, vous les trouverez toujours prêts à se dévouer pour le bien commun. Arrête, parce qu'il ne faut pas croire que les paysans, ça leur fait plaisir de faire des choses comme celle-là. D'ailleurs, ceux qui en meurent le plus, c'est eux, quand ils doivent appliquer ces produits. Donc ne croyons pas qu'il y aurait une catégorie sociale qui comploterait contre tout le reste du pays. Il y a des indications, des autorisations qui ont été données, des encouragements qui ont été largement répandus pour des pratiques qui sont hautement condamnables. Tout ça a à voir avec la politique. Tout ça a à voir avec la décision gouvernementale. C'est pourquoi, dans un gouvernement de l'Union populaire, on se préoccupe de la finalité de ce qu'on entreprend. Et donc, dans notre gouvernement, il n'y aura plus de ministère de l'Agriculture. Je vais vous dire pourquoi. Parce que quand vous dites ministère de l'Agriculture, qu'est-ce que vous demandez ? La production agricole. Laquelle ? Ce n'est pas le sujet. Mais nous savons ce que nous voulons. Nous attendons de la nouvelle ère, celle de l'Union populaire, la souveraineté alimentaire. Par conséquent, nous voulons que l'essentiel de l'activité de l'agriculture ne soit pas orienté vers les marchés internationaux, mais vers la production de produits bio qui nous permettent, parce que nous créerons pour cela les conditions, que dans toutes les cantines du pays, tous les enfants mangent bio. De manière saine. Les paysans peuvent faire le faire, mais il faut dire les choses comme elles sont. Ils n'y suffiront pas. Nous devrons en trouver encore 2 à 300 000. Il s'agit de les recruter. Vous comprenez comme moi qu'on ne peut pas leur dire « Venez, on vous propose une vie tellement excitante qu'à la fin on finit par se suicider ». Il faudra donc que les conditions sociales de la paysannerie change et que la jeune génération qui est appelée puisse vivre plus conformément à l'idée qu'elle se fait d'une vie épanouie, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui dans les conditions dans lesquelles se fait le travail agricole. Alors, par nécessité, il faudra là encore ne pas accepter l'application de certains règlements, notamment ceux qui interdisent que l'on décide de mettre dans nos cantines des produits bio trouvés localement. Parce que c'est interdit par les règlements européens qui considèrent que c'est fausser la concurrence entre les producteurs. Là encore, je vous demande de bien comprendre, pour nous, le problème n'est pas de mener une bataille abstraite à propos de l'Europe, laquelle serait la meilleure dans le meilleur des mondes, etc., etc. Nous avons compris que ce n'est pas par ce bout-là qu'il faut entrer dans la discussion. Il faut entrer dans la discussion par la porte suivante. Nous avons décidé de faire ceci. Alors, nous le faisons. Et s'il y a des règlements qui l'interdisent, on se passe des règlements. Et ça, ça part au peuple. Ça voudra aux Français de décider que leur ligne rouge ultime, c'est leur volonté collective, c'est leur démocratie. Et je sais qu'il faut qu'on commence à réparer la démocratie française qui a été en quelque sorte luxée, brutalisée, violentée par la décision de 2005 lorsque le peuple a voté non et que les dirigeants ont dit on n'a pas fait la politique.